depuis quelques temps maintenant. Vous êtes dans votre carriole pleine de choux et de tissus. Draps. De draps. De draps et de choux. pleine de draps et de choux. Avec des chaînes. Avec des chaînes. Et donc voilà, vous avancez comme ça, puis pas mal de temps, vous allez vers le sud-est. Vous en avez pour quelques jours de roulotte. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant votre voyage? Oui. Et si jamais on croise des personnes pour commencer, on peut peut-être dire qu'on est des marchands? Portugal. Non, non, mais il n'y a que moi qui est vraiment un marchand du Portugal. Toi, tu voulais pas. Je teste. Peut-être apprendre à parler portugais? Je teste le crochet. Ok, tu le testes. Vous voyez avec son crochet. On regarde s'il y a des chauves-souris. Du coup, c'est quoi les nations voisines à Transylvanus? Je sais pas. Je connais bien un peu. Ils nous avaient montré une carte, on connaît les pays qu'il y a autour. Ah non, non, mais il y avait Castelcheap et puis un rond avec marqué Transylvanus. Mais peut-être qu'on connaît un... Enfin, peut-être qu'on a des connaissances en géographie. Non. bon, on sera des marchands du Portugal, hein. Ou de Tortuga. Tortuga, d'Henri City. C'est une île de pirates, Tortuga. Henri City. Henri City. C'est quoi Henri City? La vie de notre bon roi, Henri 37. 38, je sais plus, j'ai perdu le compte. Qu'est-ce qu'il dit? On est des marchands d'Henri City, c'est bon. Ok, vous êtes des marchands d'Henri City. Très bien, vous êtes en train d'avancer. Toi, tout d'un coup, tu regardes un peu vers l'extérieur. Vous avancez pas très vite. Oui. Et près d'un petit bosquet, tu vois quelque chose de fluorescent au sol. Accélère! Plus vite, cocher! Qui conduit d'ailleurs? Cocher? Moi, moi j'ai appris à. Non, moi! C'est lui. Ok, t'entends. Accélère, cocher! Oh, je suis pas loup cocher! Et j'arrête les chevaux. Tu vois le petit truc fluorescent qui se rapproche de la carriole. Il y a beaucoup de chauves-souris par ici. Bon, pas le mieux, hein. Je suis pas loup cocher. 1,50 m. Roberto, moi je veux partir. Roberto. Roberto. Tu me trolles? Moi j'ai cru entendre Roberto. J'ai clairement Roberto. Ah, attendu, je descends. Tu descends 1 mètre de la carriole. Je ouvre la porte. Oh! Tu ouvres la porte, tu vois, lui il a marché tout près de ton escargot. Tu ouvres la porte. Toi, tu le vois entre les jambes, l'escargot. Oh, Gaspard! Qui se rapproche. Roberto. Si. Je t'aime bien, mais je veux qu'on parte. Ok. Je le monte et je pars. Tu le montes et tu pars. Tu vois l'escargot qui prend de la distance derrière. Voilà. Ça n'a pas l'air d'aller, Gaspard. Non, j'aime pas ces vieilles terres. Elles sont hantées. Roberto, Gaspard, on nage en plein délire. C'est temps qu'on n'a pas à se connaître, hein. On a 2 jours pour voyager ensemble. C'est vrai. 2 jours. Ouais, on a du temps. Ouais, des longues journées. Moi, je sais pas combien de temps on a, mais... On a du temps. Probablement 2 jours. Excédé par son conversation, je vais me mettre à l'avant de la carriole avec Roberto. Ok. Pendant qu'il roule? Bah, côte à côte, quoi. Ah, Majax. Mais donc tu montes... Tu sors par la fenêtre. J'entoure la porte. Et je longe en me tenant bien. C'est le moment où il se casse à un bras. C'est bon. C'est bon. Tu passes, il y a Majax qui arrive juste à côté de toi. Oh, Majax. Moi, le silence est une discussion que je trouve très intéressante. Mais tu peux peut-être faire du faux. Une? Du feu. Du faux. Pourquoi faire? Pour le spectacle. On va... on demande du spectacle, moi j'offre du spectacle. Et donc je fais une petite flamèche comme ça au bout de mon doigt. Et je la fais danser comme ça de doigt en doigt. Tu la fais danser, tu la passes de doigt en doigt. Je suis impressionné. Là, je fais des petites traits pour, à chaque jour qu'on passe, je fais une petite trait sur la carte pour savoir combien de jours c'est pour en faire une carte après. Au bout de 6 traits, vous arrivez à l'entrée, forêt épaisse. Vous voyez juste un petit chemin sinueux. Je crois que c'est par là. Et devant la forêt, un panneau avec marqué Forêt de l'arbre clair. Que les arbres, ils sont clairs. Pas tant que ça. Très bien. Je me dis qu'on se fout de ma gueule. Mais ils sont très hauts. Je regarde sur la carte, est-ce qu'il y a une forêt qui est indiquée? Je vois sur la carte Castelcheap, un rond, Transylvanus. Ah bon, bah du coup j'écris, je fais des petits carrés, enfin des petits sapins là, une forêt. Seul mec intelligent du groupe. Ouais, tu déçus une forêt. Très bien. Je vois qu'il fait ça très bien, donc je laisse en charge de la carte. T'as écrit une couleur d'ailleurs. Ah c'est vrai petits... Merde. Du coup j'ai fait de couleurs différentes. Ok. Joli. Différentes teintes de vert. Ok. Forêt de l'arbre clair donc. Vous y allez? Allez. Ouais. Okay. Vous avancez dans cette forêt, par ce petit chemin. Il est très mince, ou juste la largeur des roues. Il y a un petit peu de boue. Les chaînes vous permettent de progresser de manière plus sécure. Vous avancez comme ça. Vous faites quelque chose en particulier dans cette forêt? Laisse le clocher. Quoi? Le clocher. Ah, pardon. J'essaie de me balancer de branche en branche. Ah, tu sors la carriole? Non, pas vraiment. Ah, putain, je comprends pas. Non, je vous laisse au-dessus de la carriole avec le clocher. Ouais. En balançant. Ok. Moi, du coup... Et parce que ce mec me plaît, tout léger que tu feras avec le crochet sera plus 10. Parce que tu t'entraînes. Bravo. Moi, personnellement, positif. Donc, vu qu'on vend des draps et des choux, je perfectionne mes recettes de cuisine à base de choux. Okay. Pour vanter les bienfaits du chou là où nous allons les vendre, prétendument. Ok. Tu fais des recettes. Il faut le braiser. Hein. Chou braisé. Quand tu vendras du chou. Genre là, le chou, tu vois, je le teste, mais cuit de toutes les façons. Franchement, moi, j'aime pas tout le chou, mais cuisiné par Majax, ça commence à me parler. Hein. Genre, plutôt bon. D'ailleurs, j'invente le chou en croûte, comme ça. Okay. Voilà, c'est tout. Vous goûtez, c'est assez bon. Vous savez pas trop quelle épice y met dedans. Ça s'appelle le chou croûté. Sortez-le de ce bâtiment. Moins 10 finalement. Toi tu as moins 10. Ok, vous progressez comme ça. Et puis, qui est aux manettes? Moi. Toujours toi? Toi t'es toujours à côté de lui? Ah non, toi tu cuisines, toi t'es derrière. Non mais ouais, genre, elle est derrière, au fur et à mesure du trajet, comme ça. Okay. Bon, t'es tout seul. Je note mes découvertes sur un petit calepin. Je note tout. Là t'es en train d'avancer, et puis t'as l'impression de voir, il commence à faire sombre. Face à toi, une petite forme, au loin, puis une deuxième, puis une troisième, toute pas haute du tout, plus loin, sur le chemin. Puis 4, 5, 6, tu commences à voir un énorme tas de formes qui est à 30 mètres face à vous et qui bloque le chemin. Les gars? Ouais? Ouais. Il y a des trucs. Bah, quand on force, ça passe. Accélère. Non, mais il y a beaucoup de trucs, là. Regarde. Tu regardes, tu vois effectivement plein de formes, des dizaines qui sont maintenant à 20 mètres. Elles bougent. Problème. Non, elles bougent pas. Et en vous rapprochant, vous remarquez qu'elles ont des lances. Majax, peut-être qu'il faudrait du feu. Effectivement, elles bougent pas, genre elles bougent pas. Il y a des lances. C'est des formes humanoïdes. Mais elles sont peut-être amicales. C'est bien ce que je me dis. Alors, ralentissons, tentons de parlementer. Peut-être le service de douane. Vous voyez sur les côtés, dans la forêt, plein d'autres formes qui attendent derrière les arbres. On ne rigole pas avec la douane dans ce pays de Transylvanus. 5 mètres ont l'air finalement d'encercler la carriole. Derrière vous, le cercle se ferme. Ça a l'air assez hostile. Je cache tous mes sous sur moi. Je me lève du devant de la carriole, je fais « Bonjour, amis de la douane de Transylvanus. » Tu continues à avancer ? Nous sommes d'honnêtes marchands. Non, non, c'est arrêté. Vous êtes arrêté. Okay. Nous sommes d'honnêtes marchands, ouais, venus de la grande cité de notre roi Henri, et nous venons commercer. Okay. Tu les vois. Ils sont tout petits. Ils sont tout poilus, avec des sortes de capuches et des lances. Et regarde, ils sont en train de parler entre eux avec une langue un peu bizarre. Je prends un drap, Roberto. J'arrive, enfin, je sors de la carriole avec le drap, il leur fait... Tado. Tu vois un qui commence à... Ah. Et du coup, je vais le planter. Tu le vois avec sa petite capuche, il est trop mignon, c'est comme une petite peluche, comme un petit ourson. Et que capuche, je me mets en arrière, et puis du coup, je m'enroule avec. Tu t'enroules avec. Il te voit, il est bizarre. Il se rapproche avec la... Je me recule, je me cache et j'enlève. Du coup, je cache et j'enlève. Mais... Oh. 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 Il commence à rigoler tous ensemble. Oh. 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 Il te remet lance. Oh putain. Du coup, je me dis qu'ils doivent avoir peut-être faim et je me dis que c'est le moment de leur vanter les mérites du chou. Ils sont toujours en train de faire du bruit. Et donc, je prends un chou dans la carriole ou un chou qui traîne quelque part. Je prends le chou comme ça et je fais des flammes dans ma main pour faire braiser le chou devant eux. Ok, je fais une flamme. Je regarde tous. Ils commencent à se baisser, hérisser le poing un peu. Ils ont tous leur lance. Et là, ils se rapprochent de vous. Je mange le chou en faisant. Ils se rapprochent de vous. Du chou. Ils se rapprochent de vous. Roberto, accélère, enfonce. Accélère. Je dégaine. Je fais en sorte que les chevaux repartent à toute vitesse. Excellent. Et je sors le katana. Je tranche, j'y vas. Face à vous, ils sont maintenant des dizaines et des dizaines. T'y vas, tu démarres. 2 mètres, 3 mètres. Je sors de la carriole. Vos chevaux sont empalés dans leur lance. Ça va. Vous êtes arrêtés. Ils sont tous en train de s'exciter. Ils sont tous en train de vous planter. Ils entourent la carriole comme ça avec leur lance. Vous voyez un échec de la diplomatie de ce groupe. Je regarde, je fais. Ah tu te plantes le bras. Je vais essayer d'en cramer un. Ça a l'air de brûler, ça a des poils. Ok. Je vais essayer de faire un jet de flamme depuis ma main. Ok, fais-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. C'est un nom. C'est tout. Est-ce que ça leur fait peur? Non, ils te regardent. Ils sont tous avec leur lance. Ils sont vraiment proches de vous, ils ont l'air vraiment hostiles. Ils vous encerclent. Que faites-vous? Je lève les mains et je sors. Je monte sur le toit de la calèche. Ok. Et je reste en haut. Et je regarde comment ils agissent. Pareil, moi je monte sur le toit aussi. En haut de la calèche. Ah, t'es sur le toit? Ouais, c'est une bonne idée. Et vous êtes tous sur le toit, toi aussi? Ok, vous êtes sur le toit. Est-ce qu'il y a des arbres en haut sur lesquels on peut grimper? Ils sont très très hauts les arbres. Ah. Et en levant les yeux, tu vois au-dessus des arbres, comme plein de petites maisons dans les arbres. Merde. J'ai le crochet. J'ai le crochet. Oui. Je lance. Le crochet, c'est un crochet avec une corde? Ah oui. D'accord. C'est juste un crochet. C'est une corde. C'est bien convenant. Ok. Non. Tu le lances pour attraper une branche? Ok. Tu me fais du coup un jet d'agilité. Plus 10. Moins 10. T'es malhonnête. Ça passe. T'attrapes une branche. On est Louga. Et je monte. Tu montes comme ça avec une corde? Non mais... Ok, tu commences à monter. Tu te rapproches de leur maisonnette hein, là-haut. Ah ouais. Ok, tu montes. Ouais. Vous suivez? Ouais. Ok. Toi aussi? Ça merde, c'est une grosse idée de merde, mais je suis. Quoi? Je vais attendre de voir un peu parce que du coup, il a beaucoup d'avance ou pas? Un petit peu, ouais. Il arrive au niveau des maisons? Non, pas encore. D'accord. J'y vais, mais... Je vais attendre, je vais pas mettre trop de poids sur la corde du coup. Voilà. C'est une bonne idée ça. Tu me connais toi. Ok, qui monte? Vous deux? Du coup oui. Agilité tous les deux. Non, non mais les cassos. Non. Mais c'est pas ma caractéristique numéro 1. Hein. Bon. Ok, t'as monté d'un mètre. Toi t'es juste en dessous accroché. Pas grand chose. Bon, devant cet échec, je vois que ça marche pas leur truc, donc je me dis, je vois des maisons dans des arbres. Les arbres, voilà, c'est du bois. Le feu, ça brûle le bois. Ils ont se répand d'arbre en arbre, il y a des familles. Ils auront autre chose à foutre une fois que j'aurai cramé leur gosse. C'est parti. Ça, c'est mon Majax. Ça va balancer la boule de feu dans les arbres. Ok, tu commences à te préparer. Vous voyez juste devant vous, ça s'écarte un petit peu, et puis il y a d'autres petites boules de poils qui arrivent, et cette fois-ci, qu'on a des sortes de javelots. Commence à vous viser. Il y en a un qui lance, elle va pas assez loin, elle se plante au sol. Et l'autre qui se concentre, ils sont tout petits, trop mignons quoi, avec leurs petites capuches et leurs petites oreilles rondes. Ils essayent de lancer. Toi, ah bah moi je crame les jets d'éducation. Ah ouais. Tu vises quoi? Tu veux pas viser les javelots plutôt? Non, je vais viser les maisons. Histoire qu'ils lancent des javelots enflammés. Non, je vise les maisons, si ça bouge, je vise là où ça bouge. Ok, ça bouge pas. Bon bah je vise les maisons. Et on s'en fiche comment du coup? C'est un oui. Ok. Commence à faire une boule. Vous avez une première qui part sur une première maison. Impact. La maison brûle immédiatement. Vous les voyez tous qui regardent, qui s'excitent, qui font de plus en plus de bruit, qui commencent à faire ouh, avec leur lance, qui se rapprochent encore plus de la carriole, qui tapent sur la carriole. Là, il y a ceux avec les javelots qui lancent. Hubert, chope-en un, on le prend en otage. Vous êtes devant tous les deux sur votre corde. Ils lancent. Vous voyez qu'ils se sont placés et il y en a un qui va lancer un javelot. Vous faites quoi? Je pousse Roberto vélo. Ok, tu pousses son cul. Okay, refaites-moi tous les deux un jet d'agilité. J'essaie d'en choper un en bas. Réussi. Pour le prendre en otage. Réussi. Ok, vous réussissez à monter le javelot, pas juste en dessous de vous. Toi, t'essaies d'en choper un en bas? Ouais. Alors, ils ont vraiment tous des pics, hein. Tu peux essayer, mais c'est risqué. J'en ai vraiment beaucoup? Ouais. Est-ce que si jamais je prends le pic, enfin, j'essaie de prendre la lance et le tirer très vite pour le soulever et l'attraper au passage? Tu peux, vas-y, ok, t'as une lance. Fais-moi un jet de force. Ça passe! Ça passe? Tu le prends. Il est pas hyper lourd, il saute, tu le vois, tu fais wiou devant toi, tu le chopes. Et je prends et je mets ma lame en dessous. Et là, tu mets ta lame en dessous. Tu vois, c'est hyper mignon, la lame, elle est dans les petits poils. Et je mets du feu et je commence à lui brûler le haut des poils. Genre un tout petit peu, genre, comme ça, genre. Et sa tête avec les oreilles qui passent derrière. Avec la tête genre, ça sente un peu le roussi, tu vois. Ça sent un peu le roussi. Et comme ça. Autour, ils sont tous en train de s'exciter. Et là, on s'arrête. Il y en a un, il fait. Et il plante son pote. Du coup, je m'attrape à la corde et j'en demande de me hisser. Vous continuez à monter. Rejet d'agilité, si vous réussissez, vous arrivez en haut. Oui. 5. Non. Il est en premier. Je donne tout pour le pousser, qu'il ne peut pas avancer. Tu peux l'escalader. J'escalade. Ok. Tu vois qu'il passe sur toi. Tu continues. Comme il y a un poids assez lourd, fais-moi un jet de force. Tu glisses de 2 mètres en dessous. Je t'ai brûlé un peu les mains. J'attrape la corde au-dessus. Ok, donc tu montes et t'arrives jusqu'à une branche. Ok. Que fais-tu? Je regarde s'ils ont des femmes dans les huttes. Là, t'es juste sur une branche. Tu vois les huttes un peu plus loin, mais t'es pas directement sur une hutte. Qu'est-ce que je vois dans les huttes? Là, rien. Pas d'activité. J'avance vers l'hutte. Ok, faut que tu marches sur la branche. Ok, tu marches sur la branche. Moi, j'ai d'agilité. Je m'assis sur la branche et j'avance assis pour avoir plus de stabilité. Frottant comme ça. Je comprends pas. En faisant le cochon pendu en dessous. Mais aide-moi, Gaspard. Ah, en faisant le cochon pendu. Remonte-nous. C'est Gaspard. Remonte-nous. J'ai cherché leur femme. Mais remonte-nous. Mais remonte-nous. J'ai un plan. Ils ne remontent pas. Donc, t'es en cochon pendu. Ok, t'arrives au bout jusqu'au tronc. Ouais. La plateforme est un peu plus loin. Il faut reprendre une autre branche pour aller jusqu'à la plateforme. Mais c'est à quelle distance, ce bazar? 4 mètres de branche. Ok, je le fais. Tu te remets en cochon pendu? Ouais, le temps des branches. Ok, tu repasses. T'arrives jusqu'à la plateforme. Tu as une petite hutte. Trop mignonne. Je reste dans la hutte. Rien de spécial. Tu as juste des petits, des petits vêtements, du petit matériel en bois. Des trucs lourds? Ouais. Je les lance sur les petits bonhommes. Genre t'as des casseroles, des machins, tu lances. Fais-moi un jet d'agilité. Toi, donc t'as glissé de 2 mètres. Je monte. Agilité plus 10. Ah mais faites nous aider. Putain. Non. Non mais tu es nul quoi. Tu arrives pas. Bon moi j'ai essayé de grimper. Hein. Il est à 1 mètre de vous. Putain alors vous le voyez. Moi je vais essayer de grimper à la suite hein, et je l'enjambe si je peux. Ah non. Tu veux pas essayer de lui cramer le cul pour qu'il avance plus vite? Je suis pas sûr que ça marche, puis ça a pas marché la technique pour l'otage. T'as pas un tabouret pour faire une proposition? Tu lui passes au-dessus. Vas-y, essaie de passer. C'est un scandale. Tu peux pas faire un sort de légèreté pour Roberto? J'essaie de faire la même chose. Moi je risque que le feu. C'est tout. Ça passe. C'est pas volontaire. Non mais ça suffit. Maintenant je tire la corde. J'essaie, je demande à Hubert. T'es pas haut, t'es qu'à mi-chemin là. Merde. Ok, donc vous êtes à mi-chemin tous les deux. Que faites-vous? On continue. Agilité, agilité. Toi tu fais quoi? Je continue. Agilité plus 10. C'est bon. C'est bon. J'y arrive pas. Ok, moi, oh, du coup on va tirer la corde, on voit qu'il est trop naze et putain, on va tirer la échec corde. Critique quoi. Ok, vous, échec critique. Vous montez donc tous les deux jusqu'à la branche, vous êtes arrivés à la branche, au moment où vous arrivez à la branche, le crochet fait fou et il part. Il tombe. Toi, tu tombes le cul sur la carriole. Le crochet arrive hyper vite. Bam, tombe sur ton crâne. T'es assommé. Vous avez en bas votre gag comme ça. Que faites-vous? C'est à combien de mètres de distance? Ah, vous avez bien monté 15 mètres. Ah oui, quand même, on a monté. Ouais. Je cherche de l'huile dans la maison. Mais moi, j'ai de chance. T'as réussi ton jet, au fait, d'ailleurs? Non, j'ai raté. Parce que tu passes... Ah, hey, tu peux pas ramener le crochet? J'ai réussi. Si tu réussis à récupérer le crochet, nous on accroche Roberto moi, avec le crochet moi, et on tire. Que le feu. Hein. Ah merde. Ah, tu fais comme à la fête de forêt. C'est la pêche à la ligne. C'en est où de la maison que j'ai cramée? Ça commence à se propager, ça se propage un peu. Moi, j'ai de chance, moins 10. Ça crie dans les arbres? Non. C'est bon. Moins 10? Ouais, c'est bon. Ça commence à se propager, ouais. Deuxième hutte. Je balance l'huile en direction des petits bonhommes. De l'huile? L'huile que j'ai trouvée dans la maison. Tu balances de l'huile. Il y a de l'huile qui tombe sur eux. Je balance la bouteille et tout. Ok. Fouleur le balance feu! Le feu. Je fous le feu. Ok. Ok. Fais-moi juste un jet d'éducation. Donc toi en bas, t'es sur la carriole. Et les petites bêtes, bon. Donc t'es tout le temps... Il y a des petites bêtes qui sont montées, qui commencent à te prendre, mais tu peux rien faire, qui te saisissent, qui te tirent en bas. Vous voyez qu'il y a des petites bêtes qui l'ont tiré en bas. Qui est lui? Ouais, qui le ligotent, qui commencent à les monter. Alors elles sont, je sais pas, 10 sales portées, portées sur lui, sur eux. Donc toi, c'est bon. Nous, ouais, nous, on a tout. T'as lancé l'huile, ok, ça a touché à peu près 10 des petites boules, là. T'as lancé, ça prend feu. C'est en train de crier. Vous en avez buté 10. Il en reste une quarantaine. Objectivement, si jamais on saute et qu'on se rate, on crève, quoi. Oui. D'accord, oui, oui, ok, bon, je vais éviter de... Oui, oui. D'accord, ok, très bien. Donc vous êtes sur cette branche tous les deux. Lui, il est plus loin, sur les huttes. Bah, est-ce qu'on peut suivre le parcours de Roberto en passant de maison en maison et de plateforme en plateforme? Oui. Avec les petits moi, je vais suivre. Ils sont tous en train d'avancer. En essayant de les pilonner au fur et à mesure que je les suis. En essayant de ne pas toucher Roberto. Je les pilonne d'huile. Ok, il y en a un qui commence à prendre des lances. Il les lance vers vous. Cette fois-ci, il vise beaucoup mieux. À 15 mètres. Vous voyez des... Ouais, ouais. Vous voyez... Ils n'avaient pas noté chose sur une carriole qui était à 1m50. Non, mais je... Va te faire foutre. C'est des trucs comme ça, genre... Je n'avais pas prévu autant de brio de votre part. C'est la présence de ninja. Non, non, plus mais... que tu fais le malin, c'est la garde impériale des Ewok qui arrive. J'ai 60 ans d'éducation et je me permets de corriger le maître du jeu. Ok, il y a des lances qui arrivent vers toi. Moi en même temps. Très confiant, je continue d'avancer. Il n'y en a pas une seule qui te touche. Tu continues à avancer. Vous arrivez à la deuxième branche. Il est au bout. Ok, toi les Ewoks donc te portent et arrivent jusqu'à une sorte d'escalier en colimaçon. Ils vont monter jusqu'aux plateformes. Ils sont vraiment énormément. Il y en a d'autres qui ne le portaient pas, là, qui montent sur d'autres plateformes, etc. Ils sont tous en train de monter sur les arbres. Est-ce qu'il y a une maison qui est plus grosse que toutes les autres tout en haut? Oui. Génial. Est-ce qu'il y a des tonneaux? Comment ça, les tonneaux? C'est une question. Selon ce que tu répondras pour mon action, c'est moi j'ai de chance. Est-ce qu'il n'y a pas des fruits durs dans les arbres? C'est un truc. Servir comme projectile. Si. Cool. Bah, oui, je prends ces fruits. Ouais, bah, je les prends et je les lance dans les escaliers en colimaçon. Bah, les tonneaux? Ah oui. Ok, t'arrives vers les escaliers en colimaçon. Tu pousses un premier tonneau. Et tu vois toutes les petites boules qui se font shooter les unes après les autres, qui passent en dessous ou au-dessus du tonneau. Ils tombent. Ils se retrouvent tous, c'est hyper mignon, t'as plein de petites boules de poils qui roulent en bas. Ils se retrouvent tous les uns sur les autres. J'aurais dû enflammer le tonneau. Je cherche de l'alcool. Oui, c'est étonnant. Ouais. Tu cherches de l'alcool. Il y en a pas. C'est pas des alcooliques. Donc merde. Toi, t'as trouvé des fruits durs. Ok, ben je leur balance dessus. Okay, sur tous ceux qui entourent Roberto. T'en touches un ou deux. Il y en a un qui tombe à terre, l'autre qui tu lui défonces à moitié l'épaule. Tu les lances comme ça. Et je cours. Toi, Roberto, tu reprends du poil de la bête. Qu'est-ce qui se passe? T'es complètement ligoté et t'es porté. Mais je peux utiliser une des techniques secrètes. Plastico. Je tente de me faufiler. Ah, la technique du faufiler. C'est très célèbre. Ligoté, la technique du faufiler, ça passe. Je commence à mouer. Ok, agilité, moins 10. Chacun licence de Roberto, du coup. Loupé. Loupé. Bah, c'est trop serré. Avec ces jets de baril, j'ai pas réussi à un peu... Avec ces jets de baril, c'est moi, jets de baril. Non, mais il y en a qui sont tombés, mais il y en a d'autres qui montent sur les autres arbres. Donc il y a quand même beaucoup de petites boules là, qui sont montées sur leurs arbres et qui commencent un peu à vous encercler dans différentes maisons. Toi, tu cherchais la maison principale. Je cours le plus vite possible à la maison principale. Ok, tu cours sur des petites plateformes en bois, des petites plateformes en corde, tu vois, comme des poumons, etc. Et tu arrives vers la plus grande maison, la plus grande cahute. Il y a du monde à l'intérieur? Non. Est-ce qu'il y a des ustensiles? Des haches de guerre? Ou des pics? Des pics, ouais. Enfin, des lances, quoi. Pas des cure-dents, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des couteaux de cuisine? Parce que pour couper les lianes, je vais avoir du mal avec des lances. Ah, tu peux? Oh, pardon. Pardon. Non. Je lance les lances vers les Ewoks. Ou les petites boules de poils mignonnes. Ok. T'as combien d'agilité? Est-ce important avant que je fasse mon lancer? Oui. 54. 54. Okay. Alors, t'en lances combien? T'en as trouvé combien? 3. J'en lance 2 et j'en garde une. Tu débutes dans le mastering de jeu de rôle? Ok, t'en lances 2. Donc tu me fais 2 jets d'agilité. Jets d'agilité moins 10. Est-ce que ça me plaît bien? Non. Oui. Oh. T'avais réussi le premier? 90. Ah bon, d'accord. Ok, donc le deuxième, tu le lances parfaitement. Tu empales un Ewok. Il tombe. Donc, juste pour voir la situation, donc il y en a pas mal qui sont remontés, qui... En soi, vous encercle plus ou moins. Enfin, il y en a un peu partout. Toi, tu as réussi à en faire tomber pas mal, mais qui vont remonter. Ça les a juste, ça a juste fait perdre du temps. Toi, t'en as shooté un autre qui a un peu mal, etc. Tu continues, t'arrives à en toucher certains, mais bon, c'est pas archi efficace. Ouais. Ils montent, enfin, ils essayent tant bien que mal de monter. Il y en a certains qui sont montés. Toi, t'as trouvé tes lances, t'en gardes une. Toi, du coup, finalement, ils ont réussi à te monter jusqu'à votre niveau. Et vous remarquez, en fait, à votre étage, que c'est comme un grand village suspendu. Roberto, il en est où? Et le feu et Roberto, j'ai besoin d'un... Alors, le feu, ça a commencé à prendre d'autres huttes. En gros, tu vois, t'as donc tout un cercle de huttes dans les arbres. Et on va dire que c'est la face ouest qui a commencé à cramer. Roberto, il est vers le sud, et vous, vous êtes plus ou moins vers le nord. Sur un escalier, en dessous, au-dessus... Ils viennent de monter sur un escalier, il est sur une plateforme. Et je suis au sud-ouest. Oui. Comme le Portugal. Et ils sont... Donc t'es bien. Et donc je suis à 15 mètres de Roberto environ. Sors. Non, je rigole. Je suis à combien de distance de lui? Vous n'êtes pas très très loin, je sais pas, 20 mètres. Est-ce qu'une charge héroïque à toute vitesse... Non mais il y a des plateformes. On est à quelle distance les uns des... Est-ce qu'un chevalier ne le ferait pas? Je suis à quelle distance de Hubert, je suis à quelle distance de Caspar? Chevalier qui ne réfléchirait pas. T'es pas très loin de Caspar non plus, vous n'êtes pas très loin les uns des autres. Bon, on fait une percée. Chargeons! Prends la table, Hubert! Il prend la table, tu me sers comme bouclier, j'enflamme la table et on charge à travers vers Roberto. Oh, ouais, trop bien! Je prends la table! Enflamme la table! J'enflamme la table. Ok, t'enflammes la table. Toi, tu sens que la table, elle est un peu chaude. Mais t'as des plateformes à passer, hein. C'est pas tout loin. T'essayes de courir avec la table. Comme vous pouvez. Toi, tu vois une table enflammée. Et nous, on aurait pu l'enflammer plus tard, quand même. On emboîte le pas derrière Hubert. Moi, je cherche des objets de valeur. Oh putain, le con. Oui, que t'es en train de chercher. Tu trouves des piécettes, des trucs. Donc, vous êtes tous les deux en train de charger? Ok, donc t'essayes. Tu vois pas beaucoup, hein. Fais-moi un jet de chance. Ok. Ils ont pas une statue. Réussi. Réussi. T'arrives à éviter un truc. Hop, tu continues. Ils ont pas une statue, un dieu, un truc qui... Tu regardes et tu vois une statuette comme en bois, d'une sorte, tu vois, une statuette, une tige, et comme une sorte de boule avec une bouche et des gros crocs. Ça ressemble un peu, tu vois, comme une sorte de plante carnivore. Je la prends dans la main et je l'essuie en chargeant. Okay. Avec ça devant. Tu l'essuies. En chargeant derrière. Ok. Toi, tu fais quelque chose? J'essaie de me débattre. Essayer de débattre pour quoi faire? Pour échapper à mes ravisseurs. Ok. Ils en ont marre de toi. Ils te posent au sol. Ils sont toujours à peu près autour. Et finalement, ils ont réussi à tous se réunir par les différentes plateformes, tous plus ou moins du côté, donc pas très loin du feu qui est en train de gagner, mais ils sont toutes les petites boules de poils sont tous plus ou moins du même côté. Donc vous avez toute une partie du village pour vous. Vous êtes en train de charger vers eux. Il y a personne de votre côté. Vous êtes toujours en train de charger? Ouais, ok, vous arrivez vers ces petites boules. Vous tournez sur des plateformes et vous remarquez vite fait en un coup d'œil que la plateforme elle est comme ronde. Et vous voyez qu'en bas, Sous cette plateforme, il y a comme un énorme trou sous cette plateforme ronde. Toi, autour de toi, tu entends ces petites boules qui commencent à parler et qui commencent à faire comme une sorte d'incantation. Les clameurs s'élèvent. Vous entendez parler de plus en plus fort, avec cette petite voix aiguë. C'est en train de s'élever, s'élever, s'élever. Puis vous sentez comme un tremblement de terre. Et là, il y a les plateformes qui commencent à bouger. Toi, t'es toujours avec ta table, fais-moi encore un jet de chance. Réussi. T'arrives in extremis. Ok, vous voyez les plateformes qui commencent à bouger. Ils font quoi les petites boules? Ils sont comme ça. Mais pendant que ça tremble, en fait. Ils font quoi? Ils bougent pas, ils sont tous... Ils nous jettent plus rien du tout? Non. Ok, et donc du coup, moi je jette la table. Du coup, et... Ouais. Ok, tu continues. Ils font juste chanter quoi. Enfin, Ils ont pas peur de tomber? Non. Bon, ok. Non. Ok, bah je charge moi. Ok. Alors, donc, on a quelle licence de Roberto? Ça fait un bout de temps qu'on charge. Oui, mais il est pas petit le village. Donc, Roberto, en gros, vous avez donc ce cercle. Ils sont de l'autre côté. Vous avez commencé à courir ce cercle. Ils sont de l'autre côté, sur les autres plateformes. Roberto est un peu isolé maintenant. Ils se sont tous réunis pour tous chanter dans une sorte de petit hémicycle en l'air. Roberto est un tout petit peu excentré, mais vraiment pas loin d'eux. Il est un tout petit peu excentré au sol. Tu fais quelque chose en particulier ou pas? J'essaie de me sortir de me lire. Ok, fais-moi un jet, s'il te plaît, de chance. Oui. En bougeant, t'as un lien qui n'était pas bien serré. Ça commence, tu commences à avoir du mou. Et finalement, peu à peu, t'arrives à te défaire de ces liens. A priori, personne t'a vu pour le moment. Que fais-tu? Je suis positionné comment? Donc derrière la foule? En gros, tu vois, vous avez ce cercle, ok. Vous êtes arrivé par là, vous avez commencé à courir là, ok. Là, il y a eux, ils sont tous là dans leur hémicycle, et ouais. Toi, ils t'ont mis sur une petite plateforme ici, quoi. Ah, donc je suis proche des autres, si je. Pas très très loin. Ouais. Je décide d'y aller foufou. Ok. Tu te lèves, tu vas. Ok, fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. J'ai loupé. Loupé. Ok, tu te lèves, tu marches sur une brindille, je vois rien d'autre. Ça fait un bruit, un crissement. Il y en a un qui se retourne, il commence à se rapprocher de toi avec la lance, pendant que les autres sont toujours en train de chanter. Ça tremble de plus en plus. Du coup, vas-y. Je fonce vers eux, en tendant la poupée, et je crie « Fuyez maintenant, fuyez, diablotin ! Fuyez, créature du malin !» T'arrives devant eux, ils s'arrêtent tous, ils te regardent. Ils regardent la statuette, puis tu vois leur regard qui monte plus haut. Vous êtes tous avancés, en gros, vous êtes arrivés vers la plateforme STEA, qui monte plus haut. Ils sont tous comme ça. Bah, je lève la tête. Vous levez la tête? Je vous lève la tête. Ouais. Vous entendez ploc, ploc, vous levez la tête. Il pleut. Vous voyez une énorme plante carnivore au-dessus de vous, qui fait des mètres de diamètre, ronde, rouge, qui a la bouche grande ouverte, la bave qui coule. Toi, tu sens... la bave sur ta tête. C'est cool. Elle est tournée dans quelle direction? Vers vous. Nous ou vous? Enfin, vous êtes plus ou moins au même endroit. Je suis obligé de m'enquérir de l'avancement du feu. Le feu est toujours en train de progresser derrière eux. Ils commencent à avoir effectivement un peu chaud, donc eux, ils commencent à se déplacer vers l'autre côté. Ça commence à bien cramer. Oui. Et donc, du coup, la plante est entre le feu et moi. Oui. Du coup, j'essaie de faire un appel des flammes vers moi. Et t'essayes. Moi, j'ai l'éducation moins 10. Toi, finalement, il ne s'intéresse plus à toi. Il est revenu vers les autres. Le feu, tu t'essayes. Ok, le feu est en train d'arriver vers eux. Il est en train de progresser. Vous les voyez qu'ils commencent tous à paniquer. Comme ils sont tous réunis, ils sont tous au même endroit, ils commencent à paniquer et tous à aller vers un peu l'autre côté du cercle pour s'enfuir vers la partie qui crame pas. Croyant qu'ils ont peur de moi, je les poursuis. Ah, vous voyez, Manon, malin! Tu te rapproches du feu, quoi. Ouais, et je les fais fuir vers le feu. Ok, ils commencent à fuir, ils flippent tous, ils se dispersent tous. Vous êtes tous les quatre, vous réunissez plus ou moins, vous avez cette énorme plante qui vous regarde, qui commence à se baisser, qui vous observe avec de gros yeux. Alors, se casser, les gars. Il en est où le feu par rapport à la plante? Ah bah, il arrive, mais vous êtes plus ou moins au niveau du feu aussi. À vue d'œil, il arrivera à la plante. Non, mais vous êtes au niveau du feu plus ou moins, et puis la plante, au pire, elle rentre, tu vois. Enfin, c'est vraiment des plateformes autour d'elle. Hein. C'est pas, elle est encerclée. On se casse. Faut partir vers là-bas. Ouais. À l'opposé de la plante. Il y a un escalier en colimaçon encore? un peu plus loin. J'ai trouvé un objet plat pour m'en faire un surf. Mais on peut se la faire. Tu vois une planche. On peut se la faire. Mais quel est l'intérêt? Je pose juste la question. Hein. Bah, si elle commence à tomber hyper vite vers vous deux. Vous voyez la tête qui s'abat. On peut pas louer échapper. Je vais lui donner un coup d'épée. Ok, donc toi t'as trouvé une planche. Je me jette. J'essaie de te casser l'escalier. Je me mets sur la planche et je me jette dans l'escalier comme une luge. Bah faut que tu cours vers l'escalier, t'es pas tout de suite dans l'escalier. Tu commences à courir, la plante va sur vous, hein. Elle va te choper. Hein. Je plonge comme ça. Ok, tu plonges, fais-moi un jet d'agilité, toi. Je me jette vers la plateforme la plus proche. Ok, tu te jettes vers la plateforme la plus proche qui est juste à 1,50 m à peu près. Fais agilité pareil. Moi je suis à quelle distance de Majax? Réussite critique! Réussite critique! Ok, la première. Toi tu sautes jusqu'à la plateforme, tu fais un roulé-boulé nickel, et juste à côté de toi... Et je lance la petite statue vers les boules de poils. Tu lances la statue, et juste à côté de toi, la plateforme, il y a une magnifique échelle en or qui descend dans la forêt. La plante s'abaisse. Elle tape avec son énorme visage, son énorme trogne, et ses crocs saisissent un bout de la plateforme. Vous êtes partis à ce moment-là. Elle mord la plateforme, et elle arrache un bout. Toi, t'es juste à côté, toi, t'es pas loin. Que faites-vous? Majax, saute vers moi! Mais moi je suis déjà en train de dévaler en surf dans le... Ouais, toi t'es en train de dévaler en surf vers le collimateur, t'es en train de partir. Toi t'es au niveau de cet escalier doré. Ouais. Tu descends? Je descends. Tu descends, ok, vous êtes plus que tous les deux au niveau de cette plateforme avec... Moi je me mets en face d'elle, je sors mon épée et j'attends. Allez! Viens là! Allez, dépêche-toi, viens là! Tu vois que la plante sursaisie, elle se baisse un peu à ton niveau, elle te regarde et elle va pour t'attaquer. Toi, que fais-tu? Je sors le clocher et je décide de le lancer sur le cou et je fais la spirale shinobi. Et t'as plus le crochet? Non mais j'en avais deux. J'en avais deux, toi. Mais non. C'est pas vrai. Non mais c'est malhonnête, j'ai plus de clocher. Mais non. Tu te l'es mangé sur la gueule. Mais le clocher de réserve. Je sors le katana. Ok, ok, que fais-tu? Les autres se sont barrés comme des fiottes. Vous êtes arrivés, vous avez mis pied à terre. Vous êtes en bas. Je cherche des racines. Énorme... Quoi? Je cherche des racines. Ouais, c'est énormissime. Mais des racines de la plante. Ouais, c'est énormissime. Dans cet énorme trou béant, en fait, tu vois, faut s'enfoncer dans le trou. Je décide de me lancer dans le vide avec le katana et de faire la spirale shinobi. Donc, je fais des spirales autour de la plante avec mon sabre. Grâce à la vitesse, la force centrifuge. Alors, ça siffle. Alors c'est-à-dire, refais-le-moi. Je suis en train... Tu marches sur les plateformes? Non, je me jette avec le katana et je fais... Vers nous bas. Shinobi. Ok, pour descendre, et tu touches avec... Ok, d'accord. Je la découpe. Je fais moi un... Alors, tu vas me faire plusieurs jets d'agilité. Un premier. Un par degré autour. Je suis désolé, c'est de l'agilité ce que tu me donnes. C'est pas de ma faute si t'as mis des stats de merde. C'est bon. Ok, tu me fais un premier jet d'agilité pour lui sauter. C'est pas ma faute non plus, c'était il y a 3 ans. Alors je tiens à dire que ce sont les stats du Roberto originel. Donc un jet d'agilité pour lui sauter dessus. Un autre jet d'agilité, -5, pour tourner. C'est gentil autour de la plante. Moi je trouve ça très gentil. Ouais, okay. Cherche pas. De manière, il va rater. Genre, ça a pépon à la pause, quoi. Oh! Bah non. J'ai clou! Je joue mon premier lancer. Non, mais comment? Mais comment je vais le sauver, putain? Ok. Ok. Tu cours. Et tu passes à côté de la tige. Complètement. Tu t'es foiré. À côté. Tu tombes. Fais-moi un jet de chance +10, s'il te plaît. Je suis désespéré, non mais genre, ce soir, ça ne veut pas. J'ai fait 97. Ok, les gars, j'ai pas envie qu'il meure, parce qu'on est hyper rond quand même. T'es chiant avec tes actions de merde. Ok, vous deux, vous êtes en bas. Nous on est en bas, on voit. Je vous donne une chance chacun de me séduire avec une action de génie. Ah, imaginez quelque chose de génie. C'est une plante, donc elle a des feuilles. Oui, mais c'était ce que je pensais quand il a foiré son jeu. Oui, mais nous on est en bas. Ouais. On prend une feuille pour aller le rattraper. Ouais, comme ça. Genre, on tend une feuille, on coupe une feuille comme ça. Genre. Avec la lance que j'ai. Ok. Tu coupes une feuille et on la tend. Okay. En dessous, on essaie de choper Roberto comme ça et de le tendre, de la feuille avec Roberto qui tombe. Mais ça va pas marcher. C'est ce qu'on a vu. La plante, elle réagit comment? Alors, la plante, du coup, oui, parce qu'elle l'a pas vue, elle l'a pas calculé, elle est passée à côté. Donc, toi, elle est toujours face à toi. Elle te regarde et elle va pour t'attaquer. Toi, t'es face à elle. Elle a mal. Elle a perdu une feuille. Regarde, tu fais. Je vais vers la gauche et je roule, fais un roulé-boulet vers la droite. Ok, tu vas vers la gauche, bam, elle attaque, elle saisit la plateforme à côté de toi. Tu roules vers la droite. Je la regarde à nouveau. Elle va... Ouais. Et je repars encore vers la droite. Ok, elle se refait avoir, elle rebouffe un bout de plateforme. Je sais pas si c'est logique, ça se trouve, t'es sur un bout de plateforme volant. Je ne sais pas, j'ai pas calculé par où elle a mordu, mais. Et là, j'essaie d'aller vers la gauche et de couper. Mais il n'y a plus de plateforme du coup. C'est pas faux. Mais du coup, je vais vers la droite. Je revers vers la droite. Bon, au bout d'un moment, elle a compris. Hein. D'accord. Donc là, tu vois qu'elle va pas se faire avoir deux fois. Elle va pas t'attaquer. Toi, t'es en train de chuter. Vous êtes en train de tendre le truc. Faites-moi tous les deux un jet de chance. Oui. Les gars, putain. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd de chaque côté. Ok. Toi, tu tombes. Je suis qu'une grosse merde. Tu tombes et tu te fais rattraper sur l'énorme. On le tend pour le renvoyer vers la planche. Comme ça. On le tend au maximum. Non mais les gars, ça a pas marché deux fois, il va remourir. Et on lui fait Roberto attaque. Et c'est le moment genre dans la remontée comme ça, on attaque Roberto. Elle t'attend pas du tout avec son katana. En fait, il coupe la tige comme ça d'un coup de katana. Ok. Donc vous voulez tendre. Ok. Toi tu passes. T'es tout juste amorti. Ça ralentit ta chute. Tu passes à travers de la feuille. Tu t'éclates par terre. Ah, heureusement, t'as juste quelques douleurs. Ils ont réussi à t'amortir. C'est dans une sorte de terreau en plus. Ça va, tout va bien. Cette fois-ci, tu te fais pas trop. Merci les gars. Moi, je regarde. J'ai quoi autour de moi? Est-ce que j'ai la fameuse échelle en or? Elle est où? Qui est pas très loin. Elle est pas très loin? Ouais. Ok, je peux essayer de l'atteindre? Oui. J'essaie de courir vers l'échelle en or. Ok. La plante arrive vers toi. Elle va pour te saisir. Tu vois qu'elle va te choper. Tu cours vers l'échelle en or. Donc, du coup, si jamais. Enfin, elle va me choper comment? C'est-à-dire, si jamais je cours plus vite. Bah, t'es en train de courir. Elle peut. Ok, bah, du coup, je m'arrête pour qu'elle me mange pas à ce moment-là. Je me recule comme ça. Ok, pour qu'elle passe devant. Ouais, exactement. Elle passe devant. Elle arrache l'échelle en or. Tu vois, elle la prend, elle la relâche plus loin. Hubert, saute. On prend une autre feuille. Fuyez, pauvre fou. Et je saute sur le... Vous voyez autour de vous, excuse-moi, les Ewoks qui sont descendus. Vous voyez, ils sont à quelques dizaines de mètres de vous et ils commencent à vous charger. Vous avez le temps de fuir, mais ils commencent à vous charger. Est-ce qu'on peut aller vers les racines de la plante? C'est un trou, vous allez te coincer quoi, tu vois, tu peux descendre mais c'est comme un énorme trou. Majax, balance un sort de feu. Ouais, je lance ma lance dans une racine pour l'ouvrir. C'est énorme, hein, vraiment. Ouais, mais je vise une racine, je lance la lance pour que ça saute, qu'il y ait de la sève. Et je vais essayer de faire un trait de feu très très fin, mais très très puissant qui va dans le trou qui a fait la lance. Ok, faites-moi tous les deux un G, faut qu'il soit meilleur que le mien. J'ai fait 0,04 pour un. J'ai fait 91. Donc faut qu'on fasse au-dessus, c'est ça? En dessous. J'ai essayé. C'est mort. Tu lances ta lance, elle se plante, c'est hyper dur, mais un tout petit peu, il n'y a rien qui fait. Toi, tu lances un sort de feu qui égratigne à peine la plante. Lourd. Toi, du coup, elle a arraché ça, elle se repositionne devant toi. Donc tu es sur une plateforme, tu vois, qui commence à bouger sévèrement, à tout moment, elle peut tomber. Ok. Elle se met face à toi. Elle est comment la bouche en fait? Est-ce qu'elle est énorme? Elle est énormissime. Ok, et comment est la tige, enfin en gros sur lequel se place la tête? En gros, est-ce que je peux me jeter, me tenir à la tige avec l'épée que je tiens comme ça? Elle est hyper large en fait la tige, c'est vraiment une plante gigantesque. Ok, très bien. Du coup, j'attends qu'elle se place, j'attends qu'elle arrive, qu'elle attaque, je me prépare comme ça, et au moment où elle attaque, je saute avec l'épée par devant. Au moment où elle attaque? Ouais. Ok, très bien. Au moment où elle ouvre la bouche. Elle arrive, elle ouvre la bouche, elle commence à jeter sur toi. Toi, tu te jettes. Ouais, juste avant qu'elle commence à... Alors que la bouche est encore ouverte, assez grosse, je saute dedans, oui, j'y vais. Ok, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Enfin, d'agilité. D'agilité. Ça passe! Ça passe. Ok, tu sautes, parfait. Tu passes entre les crocs qui se referment. Tu te retrouves à l'intérieur. Tu passes T'as l'impression de planter devant toi quelque chose. Vous, en bas, vous voyez juste la pente faire... Bon, bah c'est le moment où je me dis qu'on se casse, et je me casse. Ok, toi tu te casses? Ouais, j'essaie de passer à travers les Ewoks en les cramant. Bah, ils sont pas encore sur vous, hein. Justement, ils couraient vers vous. Vers la Transylvanus, quoi. Ok, très bien. Non, mais il faut qu'on tue la plante. Il faut l'aider. Mais il est mort. Il faut tuer la plante. C'est bon, moi j'ai vu, il est mort, je me casse. Mais envoie du feu. Les Ewoks se rapprochent. Je claque des doigts, ça fait les Ewoks se rapprochent. Vous avez votre calèche juste devant vous. Je vais chercher tous les draps qui sont dans la calèche pour les jeter sur les racines de la plante. Ils sont à 10 mètres de vous, comme tu veux. Je vais le faire. Je te préviens. Hein. Si tu le fais, tu meurs. Je suis cash. Je te le dis, tu choisis. C'est quoi, c'est les Ewoks qui sont là? Oui, oui, ils se rapprochent en fait de vous. Tu vois, vous êtes là avec la plante, et là, ils commencent à arriver vraiment sur vous, quoi. Mais ils sont toujours des dizaines avec des lances, quoi. Si ça n'a pas l'air possible ou pas? Ah non, clairement, c'est pas possible. Je fouille. Ok, vous allez vers votre calèche? Bah. Mais il n'y a plus de chevaux, ils sont morts. Moi, je me casse à pied. On se barre, genre impossible. Ok, vous barrez. Vous barrez, vous barrez. Vous courez. Ils sont derrière vous, à vous suivre. Vous courez, vous courez, vous courez. Vous les distancez, mais pas tant que ça. Ils courent toujours, ils vous collent. Ma célèbre technique du pas enflammé. Ok, fais-moi un jet. On est dans la forêt. Fais-moi un jet d'éducation plus 10. C'est un nom. Raté, ça fait juste quelques dentelles. Vous courez, vous êtes toujours donc à la même distance. Vous progressez dans la forêt, dans la forêt, dans la forêt. Vous passez tout près d'un arbre. Et vous entendez une petite voix qui fait « Hey, par ici, suivez-moi » Ça ressemble à la petite voix des bêtes en poil? Ouais. J'y vais. Ok. Vous passez derrière l'arbre. Vous vous retrouvez devant cette petite bête en poil qui vous dit « Par là !» Et c'est ici on finit cet épisode. Ok. Ok. Est-ce qu'on a perdu Noc? Est-ce qu'on a perdu Noc? Est-ce qu'on a perdu Noc? J'avoue, c'était chou. Ah les gars, putain! Pourtant, je trouve que j'étais assez bon. Ouais, ouais, non, c'était solide. Franchement, genre, j'ai... T'es infâme. C'est genre, oh, le souvenir qu'a Roberto dans ma mémoire, c'est exactement celui-là. Ouais. Un boulet. Le mec, genre, inutile. J'ai 30 en agilité, il met des moins sur mes jets d'agilité. Il met que ça, mais en même temps, Roberto, c'était le pire ninja du monde parce qu'il avait la pire agilité. Par contre, je suis très fort. Le chat SVP. Et ben putain, je me souvenais pas que c'était aussi débile. Et je pense qu'on était à peu près au même niveau là, oui. En débilité. Hein. Ça dépend. On l'a retrouvé pas mal. Hein. On l'avait retrouvé. Ouais, franchement solide. Hein. Alors du coup, toi, t'as fait ton geste épique, ton last geste à la Hubert de La Moule. Exactement. Mais est-il mort? Mais il est tellement pas mort. Il va revenir Hubert, le trépaneur de plantes carnivores. Alors, je sais pas ce qui s'est passé entre 5 ans plus tard et tout, mais genre ça commence à arracher de la jugulaire à coups de dents. Hein. J'ai vachement calmé avec les dernières. Ah mais merci la plante carnivore. De base, t'es ravagé en fait. T'étais tellement plus stuff qu'il y a 4 ans, quoi. Genre, même ton imposition des mains, elle était moins gênante qu'aujourd'hui, quoi. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, elle sert vraiment à rien. Non, mais il y a vraiment eu des moments difficiles. Entre-temps, il s'est passé quelque chose. Exactement, quelque chose. Normalement, l'imposition des mains, elle marche pas encore. Elle n'a pas encore débloqué. Non, mais d'abord, ça m'a jamais donné de point de vue, d'ailleurs. Si, je crois qu'on s'est soigné. On s'est soigné avec. Mais dans 5 ans. C'est mon seigneur. Oui, exactement. Je tourne. Alors, Hubert va encore finir à poil avec ses vêtements digérés. C'est possible. C'est probable. Je vais finir déféqué par une plante carnivore. C'est quand même pratique. Qui peut dire ça? Ça défèque d'ailleurs? Oui. Oui, ça digère. Oui. Oui. C'est de la sève, quoi. Exactement. Alors, la renaissance. Le moment de grâce pour moi aurait été le parfait réveil de Roberto au moment où il est chopé par le slip et lancé sur la table. Avec une réussite critique. J'ai vu qu'il t'arrive toujours des trucs, toi, mais contre ton gré, quoi. Et franchement, je fais pas exprès. Tu m'as assommé hein, dans le dernier fight. Exprès, et tu m'as complètement bourré pendant la table. T'as essayé de le tuer aussi en mettant une hache au bout de la ronde. Genre, t'es très malheureux. Je sens que tu veux déjà te débarrasser de Roberto, Pi. Non. Mais pas vrai, Roberto se supprime lui-même. Oui, je ne supprime pas Roberto. Tu lui mets une corde, il se supprime tout seul, quoi. C'est ça que tu peux pas la monter. Mais franchement, ma dernière tentative de move était archi lourde. Oui. Comme s'il me demandait à mourir. Enfin, genre j'étais en train littéralement genre de trancher la, faudrait peut-être faire de trancher la plante en spirale vers le bas en tenant mon épée comme ça. Genre c'était un move archi classe. Franchement, c'était solide. Mais est-ce que ça vous dit, on demande au public s'ils sont chauds pour un up de ton agilité quand même? Parce que moi, ça me fait un peu de la peine. Ah non, 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 c'est un peu de l'agilité. Il faudra quand même trouver une raison pour qu'ils la reperdent. Ouais, non, mais on est-ce qu'il y a moyen de faire en rapidos le... Moi, je m'insurge. Le sondage Winon. Il perd la mémoire entre-temps, quoi. Exactement, il oublie ses techniques. Moi, je m'insurge complètement. Ah, il y a tout le monde qui dit non, 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 je refuse, non, 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 non. Il n'y a pas un seul oui. Pas de up, non, non. Ouais, c'est bon, pas besoin de vote. Non, mais je pense que c'est clair. C'est vrai qu'il avait le perceptus d'agilité. Alors, c'est quoi mes stats? Alors, effectivement, j'ai 65 en force. Ah ouais, mais tu fais pas de trucs de force. Je suis un nain, donc je suis vachement fort. Tu fais pas de trucs de force. Ouais, tu fais que des trucs d'agilité. Et c'est peut-être pour ça que ça n'existe pas, les nains ninja. Hein. Peut-être. C'est à la base tout le paradoxe de mon personnage. Tu vois. Non, mais je l'ai construit pour être un énorme boulet. Hein. Ah bah, c'est bien réussi. Ah, et je suis là. Here I am. Eh bah, faut pas se plaindre. Le saut de la foi de Roberto. Le nain sautait de 10 cm à côté de la plante. Là, j'aurais bien vu planter dans les fougères. En fait. Il faut encore baisser son agilité. Qui vote pour qu'on baisse son agilité encore? Dans ce cas-là, il faut mettre des stats ailleurs. C'est déjà pas facile. Genre, déjà, on a réussi un double jet de chance. Franchement, en 30, lui sauver les miches. Parce qu'à chaque fois qu'on sauve Roberto, on sauve un peu le MJ. Hein. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que normalement, on est vivant dans 5 ans. Tout le monde veut baisser ton agilité. Mais vous êtes des bâtards. On va faire plus simple. Qui veut tuer Roberto? Oui, oui, oui. Moins 5, bien évidemment. Tu veux dire tu veux tuer Roberto, c'est ça? Baisse. Moins 15. Moins 30, hein. Allez-y direct. Hein. On n'a pas de temps. Augmenter sa sagesse pour qu'elle émite les bouffes débiles. Si vous me tuez après, c'est terrible. Hein. Mais non, on va pas te tuer. Je vote pour qu'on rase. Ouais. Tuez-le. Laissez-le souffrir. Roberto le meilleur, tuez-le. Tu sais, genre, il est bizarre ce chat. Vous êtes chelous les gars quand même. Vous êtes à poil. Non mais je pense que les gens aiment que je sois le boulet et que les autres aient à me sauver. C'est vrai qu'il y a. Mais parfois il y a des mauvais pics. Hein. C'est rare. Il y en a un qui propose un peu d'agilité. Plus à 31. On n'a jamais eu de level up d'ailleurs. On peut accepter. On n'a jamais level up dans Tales of Pi. C'est vrai. Moi, je trouve que le level up pour. Pour apprendre à scinder les petits animaux, ça pourrait être utile. Je veux pas dire. Roberta, la sœur de Roberto. Le kata boomerang, mais il n'existe pas encore le kata boomerang. C'était bien en frottant comme un con contre un mur, c'est ça? Non, je crois. On peut faire de l'étincelle pour faire de la. C'était peut-être cette fois-là. Ouais, pour faire de la lumière. Frotter, etc. Ouais, pendant qu'on descendait peut-être en chute libre. Je suis pas sûr, mais. Oui, il devait y avoir un truc comme ça. Pour que ça se tende. Je crois que c'était le même coup que la spirale shinobi, mais dans un donjon contre les murs. Ah bien. Après, je pense qu'il avait fait un échec critique à ce moment-là. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. C'était pour faire de la lumière. Ah, c'est le gnoud qui l'avait écrasé. Ah oui, ah oui. Merci aux vrais fans, ils se souviennent. C'est bon. Ouais, le gnoud. Il a un gnoud. Le hamugeon du futur. Bonne question. Non mais genre, les gens ils sont beaucoup plus au courant de l'histoire que moi. Non mais t'imagines même pas. Moi quand je vais en convention, les mecs me parlent d'histoire mais je me rappelle plus de rien. Non mais c'est ridicule. C'est absolument ridicule. En jouant, je suis en flip de ouf de pas me souvenir d'un truc et de... Là t'as 300 mecs qui le connaissent par cœur. Tu sais, tu fais un mix, tu te retrouves avec la saison 3 année folle, tu sais, ton personnage, tu fais un truc archi chelou. Par contre, Caspar est plus con qu'il y a 5 ans. Ouais, c'est-à-dire qu'il sort des champs. C'est vrai que t'es vachement con quand même. Ouais, non, mais... L'accent pédant, j'ai fait. Il était aussi débile que ça, Caspar. Non, il était pas aussi débile. Mais entre-temps, il était devenu pirate. Il était devenu chef des pirates. Et il avait vécu, quoi. Et le chevalier. Il y a 5 ans pour apprendre, quand même. Et c'est ça. Les chevals. Les chevals. Les chevals. Ouais. Bah ouais, on n'avait pas galéré la saison 1, ça me rappelle les chevals. Ah, si, je crois que t'avais dit ça à Norbert ou je sais plus qui, il avait galéré pour le diplôme. Il a mûri. Il a mûri. Il a mouru. La technique, il faut filer d'ailleurs. Et on aura le droit à de l'horreur en Transylvanus. Bah, je sais pas, vis-à-vis du nom. Je suis très déçu de pas avoir pu vendre mes choux. J'imagine qu'assez peu. Du coup. Et ma santé mentale, non, elle est pas au top là. Elle est pas au top du top. Et du coup, il y en a beaucoup qui, déjà, qui sont contents de revoir ça et puis qui sont contents de te revoir, Noc. Ah bah moi, en tout cas, c'était un vrai plaisir. De t'avoir joué et de t'avoir vu jouer. Et il y en a un qui demandait si on te revoyait prochainement. Du coup, pour cette saison, tu auras fait un épisode, tu digérais ou pas, puisque 5 ans après... Tu es là comme le spin-off, les aventures de Hubert de La Moule. Le spin-off, t'es juste en one-to-one. Le spin-off 10 heures de face-to-face. Ça commence à se réveiller dans la merde du net. Alors les gens ont raison, t'as toujours pas regardé à 30 degrés. Je l'ai appris... Si, tu l'as appris petit. Ouais, je l'ai appris petit. J'ai pas eu besoin. Ouais. À aucun moment on a eu besoin d'ailleurs. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'était un vrai plaisir. Et du coup, moi, je pouvais pas participer aux autres, donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment merci, en tout cas, d'avoir pu revoir avec tout le monde. C'était vraiment. C'est vrai que c'est le seul qui a la même gueule. C'est quoi? T'es le seul qui a la même gueule. C'est vrai que t'as pas changé. J'avoue, genre t'es un alien. Genre Noc le reptilien. Non, mais les poils ils bougent pas quoi, c'est juste ça en fait. Je me suis rasé il y a 2 semaines s'il te plaît. Donc, lui il l'a fait juste avant l'émission et pas besoin quoi. Alors est-ce qu'il y aura des guests? Donc pour la suite de la saison, donc il y a encore 2 épisodes, mardi prochain et mardi d'après. Surprise. Surprise. En tout cas, un vrai plaisir Noc que tu sois passé. Et évidemment, c'était inconcevable de refaire cette espèce de spin-off ou back ou flashback ou retour vers le futur sans toi et sans vous quatre. C'était genre, enfin, je disais avant, c'était un putain de plaisir à écrire comme scénar. Tellement cool quoi. Enfin, genre, on peut écrire 10 000 incohérences, il n'y a pas de problème, quoi. Et genre, c'est juste cool de vous avoir, et c'est juste trop marrant. Je suis déçu parce que je suis content de rejouer Majax, mais j'avais un personnage gobelin qui était tout près dans les cartons, qui aurait été une merveille. Et qui aurait pu être mieux que Grurk. Dans le même style, mais en plus sournois. Ah. Avec tes plans de poulet. Grurk était surtout commerçant. Ouais. Bon, pour rendre des choix, on aurait été pas mal. Moi j'étais prêt. Qui veut mes choux? Le scénar, il part dans un truc complètement différent. Et d'ailleurs, j'étais parti sur le chou de Bruce Wayne. Tu t'es donné sur les blagues. J'étais prêt, j'avais mon speech pour vendre le chou de Bruce Wayne en Transylvanus. Je suis déçu qu'on n'y soit pas encore. Bon, une belle bande de trous du cul en Transylvanus, quoi. Ça, je pense. Ouais, excellent! Et ça, c'est le mot de la fin! C'est le mot de la fin! Bravo! En tout cas, merci à vous quatre pour votre gameplay absolument fantastique. On se retrouve donc mardi prochain à 20h30, pareil, sur la même chaîne. Un grand merci, évidemment, à Kenard. Un grand merci à la régie, qui fait toujours un taf de génie. AO Gaming, et donc on se retrouve incessamment et très bientôt avec toi dans une autre partie. Donc, plein de bisous à tous.